Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Jouer avec moi, jeu pour enfants. Alors aujourd'hui, donc, ça va être encore une comparaison entre les fameuses pâtes à modeler nuageuses et pâtes à modeler donc, de soie. Voilà, donc, deux pâtes modelées intéressantes, voilà, assez particulières. Et donc, on va faire une petite comparaison entre donc, Seal Clay et Foam Clay. Voilà. Donc, les deux ne sont pas autorisés pour les enfants de 0 à 3 ans. Voilà. Il y en a une donc qui, à droite, on a 35 grammes, à gauche, donc pour le Silk Clay, on a 40 grammes. Voilà. Donc voilà, pour nos deux différentes pâtes à modeler. Donc maintenant, on va s'intéresser à vraiment au contenu. Donc c'est un peu comme de la pâte à modeler Play-Doh, mais au niveau de la consistance, c'est quand même particulier et différent. Voilà, on peut les tirer comme ça. Voilà, donc c'est un peu comme un chamallow. Marshmallow, enfin c'est... c'est léger, c'est... Alors ça rebondit un peu sur la table. Voilà. Voilà, donc c'est très léger, très facilement modelable. Voilà. Voilà, donc elles sont. La pâte à modeler de soie est beaucoup plus agréable à la main que la pâte à modeler nuageuse. Voilà. Donc là, on peut tirer comme ça. Hop. On peut tirer jusqu'à. Ça peut aller très très loin. On peut faire de longs. On peut vraiment tirer longtemps. Voilà. Ça rebondit bien sûr sur la table. Et voilà. Après, bien sûr, c'est vrai qu'on a des couleurs qui sont assez intéressantes. Hein. Voilà, donc pas mal de couleurs fluo, donc jaune fluo, orange fluo, violet. Rose fluo, bleu, voilà, après au niveau des odeurs, c'est pareil, hein, ça c'est assez similaire. Voilà. Donc après, on peut tout tirer comme ceci. C'est un peu voilà, une histoire, enfin, matière un peu chewing-gum. Voilà.
Voilà, donc là, du coup, on a à gauche donc notre pâte à modeler de soie, à droite, on a la pâte à modeler nuageuse. Donc voilà, qu'on voit un petit peu les différences. Et voilà, donc ça nous fait deux petites boules. Et... voilà. Les deux rebondissent. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette comparaison. Voilà, donc c'est une comparaison donc, de deux types de pâte à modeler. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ben, celle que vous préférez. Voilà. Et puis, voilà, n'hésitez pas donc à laisser des commentaires, à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à regarder toutes nos autres vidéos, enfin, toutes. Voilà. Et donc, je vous dis à une prochaine. Salut !